La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis, 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo. Tous les mercredis, 7h PM. Sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir tout le monde. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont branchés cette édition de Café Philo et toutes celles et tous ceux qui sont avec nous ce soir pour participer avec nous. Cette édition de Café Philo rentre dans le cadre des activités de la troisième édition du Festival féministe Neges Marron qui cette année se fait sous le thème Rêve Boucanais. Donc, je tiens à remercier de manière particulière l'association culturelle Café Philo d'Haïti qui, dès la première édition de ce festival, a été partenaire et nous a accompagnés de diverses manières. Merci à toute l'équipe, mais merci surtout à vous qui avez fait le déplacement pour être ici ce soir. Et comme le veut donc le format de Café Philo, bien avant de commencer, je vais vous demander de vous mettre debout avec moi pour entonner l'hymne national. Merci donc encore une fois d'être avec nous, à ceux et celles qui ont fait le déplacement. Merci d'être là ce soir pour cette édition de Café Philo qui rentre dans le cadre des activités prévues pour la troisième édition du Festival féministe Neges Marron. Merci encore à l'association culturelle Café Philo d'Haïti qui, dès la première édition, nous a inconditionnellement apporté leur support. Donc, pour continuer, je vais vous inviter à écouter avec moi, à visionner avec moi la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre, de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara,
entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No, 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 seguiremos adelante. No, 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 como junto a ti seguimos. Y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Voilà la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre, de Julio César Barbosa. Et comme on le fait donc à chaque édition de cet espace, on vous propose ce soir une projection audiovisuelle, un débat contradictoire sur Europe 1, le féminisme est-il encore utile? Donc, je vous invite donc à suivre cet extrait de ce débat et puis après nous revenons avec notre intervenante pour commencer cette conférence débat dans le cadre de cette édition de Café Philo. Voilà, le féminisme est-il encore utile? Un débat, un extrait d'un débat sur Europe 1 qui lance donc d'office cette conférence débat que nous avons aujourd'hui et qui porte sur ce thème d'un ordre à un mode de refus, femmes et marronnes. Et comme je le disais tantôt, le marronnage donc, qui est cet ordre du refus qui a généré des mouvements de fuite, qui a occasionné des rébellions, qui a incité à la révolte. Nous nous posons la question aujourd'hui, cet ordre a-t-il disparu? Et si les pratiques instituées par un tel état de choses perdurent, ne faut-il pas chercher le lieu qui les fait naître et les fait croître? Donc le marronnage en soi, c'est le fait de ne pas se plier, le refus de se plier, le refus de se soumettre. Et tout est donc dans le devenir et les lieux d'existence qui se transforment en état, en point d'existence d'être au monde. Donc ce soir, dans l'idéologie de l'organisation Neges Marron, dans ce que cette organisation porte comme discours, c'est un honneur pour nous d'avoir Madame Paul Austin qui a fait beaucoup de travail donc sur le marronnage, qui présente pour nous cette conférence. C'est un honneur pour moi donc de la présenter avant qu'elle n'intervienne. Alors, Madame Paul Austin est détentrice d'un doctorat en biochimie structurale et en études comparées en lettres, histoire, philosophie.
Elle est professeure de méthodologie à l'Université Quisqueya en Haïti. Elle fut professeure de biochimie et de biophysique moléculaire à la Faculté de médecine de l'UEH, membre du conseil technique du CRESFED, vice-rectrice de l'UEH, directrice pédagogique de l'ISPOS, directrice générale du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et déléguée principale auprès de la CIM-OEA. Chroniqueuse politique au journal Le Matin et ministre de l'Éducation nationale, sans oublier qu'elle a été aussi conseillère électorale. Elle s'est consacrée aux questions d'épistémologie, de phénoménologie, de théorie critique et elle est présente sur des forums de réflexion tels la Caribbean Philosophical Association, CPA. Elle a publié chez C3 Éditions La transition haïtienne comme construction théorique, précis de biophysique moléculaire, 7 février 1986, enjeu, problème, enseignement, 1915 et la diaspora, le lieu et l'histoire de la construction identitaire, fraude massive et nombreuse de l'incivisme et de l'illettrisme aux éditions de l'UEH, Parti en marron, un parcours sémantique à travers les trous de la mémoire collective haïtienne, le moi et l'autre, une approche herméneutique marron, et en cours de publication actuellement de la revue du GRAN, Femmes et sciences, la double contrainte privée et publique. Madame Paul Austin, c'est un honneur de vous avoir avec nous ce soir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je demande avant tout au public de vous applaudir de votre présence ici ce soir. Avant de rappeler que Madame Paul Austin a accepté d'être avec nous dans le cadre du Festival féministe Neges Marron et qu'elle fait sa présentation donc sur le thème d'un ordre à un mode de refus, femme et baronne. Madame Paul Austin, la parole est à vous. Merci. Merci Pascal. Et bon, je dis aussi merci à Café Philo. C'est peut-être, je ne compte pas, depuis Papa et Restaurant jusqu'à ici. C'est toujours un honneur pour moi d'être parmi vous dans ce lieu culte qui est devenu Café Philo. Et bon, j'ai répondu à l'appel de Neges Marron. Comme disait Pascal, j'ai fait une thèse de doctorat sur le marronnage. Et le fait pour moi d'être en présence ou encore de donner ma participation à un festival féministe qui se nomme Neges Marron est pour moi comme une... je ne trouve pas le mot encore, mais c'est comme une je vais trouver le mot tout à l'heure. Vous allez ça, comprendre pourquoi. Ce n'est pas une provocation. C'est comme comprendre ce que j'ai voulu poser comme thèse pour le marronnage. Très brièvement, je ne vais pas rentrer sur ma thèse. J'ai déjà un papier que je présente sur la question de la femme et du marronnage, ou du moins comme je comprends. C'est parce que dans la thèse que j'ai eu à défendre, pour moi, le marronnage n'est pas une fuite, c'est aussi une résistance. Et moi, ça me plaît bien, donc ce n'est pas une provocation, que les femmes, que le mouvement féministe, associe le mot marron à sa définition, à sa philosophie. Parce que, pour bien comprendre justement et mon intervention, c'est que les femmes s'inscrivent dans ce refus. Nous sommes toujours, comme je disais à Pascal avant la conférence, plus que le refus, nous sommes dans la dissidence. Parce que le refus n'est pas suffisant, il faut aussi la contradiction. Pour moi, la dissidence dans laquelle s'inscrivent les femmes, c'est refus et contradiction. C'est comme ça que je comprends. Et dire que je viens d'entendre le court-métrage là, le féministe est-il encore utile? Oui, il est utile, c'est une dissidence permanente. Mais c'est ainsi que je le vois. Et je salue justement ces vaillantes femmes qui ont eu l'idée de s'identifier au concept du marronnage, parce que c'est la dissidence, c'est plus que l'on refuse, c'est la dissidence. Alors, justement, dans le texte que j'ai préparé pour ce soir, vous allez comprendre avec moi comment je lis la condition esclave à la condition féminine. J'en parlais à un ami, il me dit, mais pourquoi tu es allé aussi loin? Et j'espère que vous comprendrez dans
n'est pas une démonstration, mais au moins au cours de mes propos, comment je lis les deux. Cette dissidence, ces mouvements de fuite qu'on a connus dans la plantation, qui étaient générés par un ordre de plantationnaire que j'appelle l'ordre d'un refus, je pense que, et ce serait opportun dans mes propos, que vous voyez avec moi comment je lis les deux. Alors, je vais vous donner acte, si vous voulez, de ce que j'ai préparé pour répondre aux attentes de ce festival. Alors, j'appelle cela la dissidence comme mode de ce refus. Et je vous ai déjà dit que la dissidence pour moi, c'est en plus du refus, c'est la contradiction. Alors, nous sommes tous dépendants des structures et des contingences créées par les faits et l'histoire. Aussi, la raison humaine à elle seule n'est pas suffisante pour accéder et ou générer les savoirs. Les structures et les faits, donc, les créent. Pour répéter après Foucault, la prison, les hôpitaux, l'école, la famille sont autant de structures qui permettent de soulever des questionnements et de faire surgir d'autres modes d'existence et d'appréhension des réalités. Par contre, la philosophie, elle, permet de critiquer et d'accéder à des niveaux de réflexion et à l'accouchement de nouvelles épistémies. Aussi, l'esclavage, le système de plantation, le code noir sont autant de structures fondatrices et constitutives de nouveaux savoirs, tels que la condition esclave, qui crée le marronnage. En effet, la question marronne est créée à partir des besoins ou des finalités du système de plantation. Comme le fou, le marron ne se nomme pas. Il faut voir la différence entre quelqu'un qui dit « je suis marron » ou « je pars marron ».« Je suis marron » est un acte délictueux. « Je pars marron » est un acte de résistance. Donc, il y a une toute autre, si vous voulez, c'est deux postures différentes. Comme le noir ne se nomme pas, on nous a nommés. Donc, autant de catégories, de codes de lecture, d'appréciation qui sont érigés par les tenants de savoir qui lui-même, enfin, eux-mêmes, créer les règles et les préjugés pour une autodétermination. Comme le décrit Lévi-Strauss, selon un schéma social inductif, le totem devient le représentant du groupe. Alors, dans un ordre discursif parallèle que j'ai essayé d'établir, je me permets d'explorer les deux catégories qui nous interpellent, la condition esclave créant le marron et la condition féminine créant le genre. Alors, pour les besoins de la démonstration, j'ai essayé de faire un schéma que je ne vais pas vous montrer. Mais dans un discours, il y a l'énoncé du discours, il y a ce qui occasionne le discours. Là où le discours prend origine et ce qui est généré par ce discours. Donc, nous avons dit qu'il y a comme un avant, un pendant et un après. L'avant, ce sont les conditions qui permettent au discours d'émerger. Le pendant, ce serait l'énoncé du discours. Et l'après, c'est toutes les catégories et qui sont générés, je disais, que l'on déduit à partir de ce discours. Dans la condition esclave, quelles sont les conditions d'émergence de la condition esclave? C'est bien sûr 1503, pour Haïti c'est 1503, le commerce triangulaire, la traite, l'évasion, l'occupation des terres. Maintenant, une fois ceci fait, ce que j'appelle le discours lui-même, l'énoncé, ceci est avant. Ce qui va provoquer ce discours, c'est le code noir, l'imposition d'un système de plantation, l'assignation des rôles, les propriétaires, les esclaves. Maintenant, ce que j'appelle l'après ou encore les catégories créées par ce discours, c'est tout un corpus qui est la domination, la subordination, la discrimination, les clichés et les stéréotypes. Pour la condition féminine, nous avons avant le discours, ce que j'appelle ce qui fonde le discours, c'est les trajectoires socio-historiques à travers le monde et les traditions patriarcales. Maintenant, ce qui va former ce discours sur la femme, c'est le code civil. Vous verrez, comme pour la condition esclave, il y a ce que j'appelle des références juridiques, le code noir, le code civil. Et justement, le code civil donne l'assignation des rôles tuteur mineur. Et ce qui vient après ce discours, ce que génère ce discours, c'est le même corpus. Domination, subordination, discrimination,
stéréotypes et clichés. Donc, voyez pourquoi je fais le parallèle entre les deux. Donc, la discrimination systémique est supportée par le binôme domination-subordination. Cette discrimination s'appuie sur un statut socio-juridique particulier dont la division du travail, les rapports de production, l'accès aux sphères privées et publiques, aux ressources et aux biens. Dans les deux cas qui nous interpellent, les conditions biologiques et ou sexo-spécifiques objectives vont servir de prétexte pour les classes dominantes, le pouvoir colonial. L'ordre naturel des choses s'impose à la raison. Construite autour de dogmes religieux et idéologiques, la condition féminine sera bien entendu autant codifiée qu'a été l'esclavage. De tels fondements juridiques et légaux viennent s'imposer comme normes de manière à maintenir les us et coutumes et stabiliser ainsi le pouvoir masculin. L'homme devient légalement tuteur de la femme, qu'il soit d'abord père, ensuite époux. Cette confiscation du pouvoir mâle s'étend à tout individu de sexe masculin, le prêtre, le pasteur, le maître, l'enseignant, le frère, le petit ami. À partir de ce lieu vient se déterminer la position sociale et l'étendue des droits civils et politiques. Comme l'écrivait Hannah Arendt, il y a du totalitarisme que l'initiative. Pour elle, tous les totalitarismes. En fait, ce qu'elle a essayé de montrer dans son essai sur les totalitarismes, l'histoire et les us et coutumes créent en général ces totalitarismes. Ils sont fondés, si vous voulez, pour passer d'un ordre dit naturel à un ordre qui va être érigé. Un ordre du refus, le code noir, nous avions dit, comme le code civil, génère ces mouvements de dissidence. C'est sur quoi les femmes vont se baser justement pour être en contradiction avec leurs conditions. Comme les esclaves, certains devenus marrons, les femmes, elles aussi, opèrent par internalisation, assimilable à une fuite intérieure. Les femmes n'ont qu'une seule issue pour exister, la contradiction et la dissidence. La dissidence permanente. Et je vous parlerai dans mes propos d'une dissidence sociale et éthique, d'une dissidence philosophique et d'une dissidence, bien sûr, politique. Alors, la dissidence éthique et sociale, ce qu'on appelle la plus longue lutte de l'humanité, vous voyez encore la question est posée, le féminisme est-il utile? C'est la plus longue lutte de l'humanité. C'est l'un des groupes sociaux, encore, pour répéter après certaines historiennes, le groupe social qui est en lutte permanente, c'est pourquoi moi je nomme cette dissidence une dissidence permanente. En effet, la construction sociale des identités sexuées codifiées a pris des formes diverses et variables selon les contextes sociaux, économiques, politiques et culturels. À travers l'histoire, la famille, le statut personnel, être marié ou pas, l'appartenance sociale, professionnelle, religieuse, sont des paramètres qui dessinent un paysage souvent plus varié que le sujet les grands modèles narratifs. Explicatif fourni par les sciences sociales. La différence des sexes est au cœur des grands récits bibliques de la création du monde. Vous avez deux versions. La première, la Genèse existe deux versions. La première, elle nous dit, Dieu créa les êtres humains à sa ressemblance. Il les créa, hommes et femmes. Je le dis toujours à mes amis protestants ou enfin non catholiques, il les créa, hommes et femmes, point. La phrase se termine là. Mais après, il y a un débat. Ici, dans cette première version, la dualité du genre humain est clairement énoncée sans hiérarchisation explicite de l'un par rapport à l'autre. Par contre, dans la deuxième, qui a retenu l'attention des pères fondateurs de l'Église, c'est la mise en scène de la création d'abord de l'homme, puis de la femme comme aide et compagne, donc en position seconde. Dès le début, le christianisme a lourdement insisté sur la part prise par Ève, la première femme dans la chute au paradis, d'où la suspicion à l'égard du sexe féminin, tentateur, jugé dangereux, et à l'égard de la sexualité en général, qui a marqué toute la culture chrétienne. Une des traductions concrètes de la position subalterne des femmes, au plan religieux comme au plan sociopolitique, fut leur imposition à accéder à la sphère du sacré. Et jusqu'à présent, l'Église catholique, vous n'avez que des hommes qui peuvent officier les offices, pour me répéter, les offices religieux. Geneviève Fraisse, dans le sujet ou l'objet, au cours du 10e
symposium de l'Association internationale des philosophes en 2002, elle, dans ce texte, le sujet à l'objet, elle montre comment justement, comment les femmes étaient privées de par leur sexe de l'accès à la sphère publique, notamment le religieux. Le seul accès à la sphère privée et encore, la sphère publique et encore, c'était l'éducation, les œuvres charitables, et ainsi de suite. C'est un texte très, très intéressant. Donc, il en est de même, donc, elles étaient interdites aux charges publiques. Alors, pour comprendre justement ce à quoi nous allons pouvoir discuter, c'est une opposition entre le masculin et le féminin s'est érigée en normes, en règles, et va servir de base à toutes les oppositions. Et dans un mimétisme réducteur, vous avez ces apologistes qui vont verser dans cette binarité comme un ordre naturel des choses, donc pour copier la binarité du sexe. Vous avez tout un ensemble de binômes, de matière, esprit-matière, chaud-froid, sec-humide, etc. Et bien sûr, moi, c'est ce que j'appelle une asymétrie, une position asymétrique, parce qu'il y a une oblitération de l'autre. Quand on vous dit et matière, esprit-matière, il est clair que dans cette binarité, il y a un pôle qui cache un autre pôle. C'est comme le positif et le négatif, pas en électricité, bien sûr, mais dans un autre ordre. Donc, la définition de la femme, justement, lorsqu'on ouvre une édition du dictionnaire de l'Académie française en 1794, on lit ceci. Femme non féminin, femelle de l'homme. Homme non masculin, animal raisonnable. En ce sens, il comprend toute l'espèce humaine et se dit de tous les deux sexes. Dans le cas de la femme, il s'agit d'un être humain défini par ses caractères sexuels femelles de l'homme, qui lui permettent de concevoir et de mettre au monde des enfants. La différence biologique et anatomique entre les sexes sert donc de raison naturelle, je me répète, parce qu'il faut insister sur ce discours qui est pure idéologie. Ce sont les raisons naturelles, parce qu'on se base sur des conditions objectives, et pour faire d'autres, si vous voulez, inférences, d'arguments. Cette raison naturelle sert d'argument idéologique pour consacrer l'infériorité de la femme, de fait, sa subordination. Alors que la donne biologique de différenciation sexuelle introduite dans la définition sémantique s'affiche comme attribut essentiel pour la femme, dans la définition du dictionnaire, femelle pour l'homme. La définition de l'homme se fait générique, universelle, donc générale, se dit des deux sexes. L'homme, j'entends les hommes, enfin, vous êtes assez nombreux déjà là, quand on dit homme, on dit les deux. C'est dit. Je vous répète. L'espèce humaine s'identifierait à ce vocable neutre qui est homme. Ainsi sont confondus les mots homme et genre humain. Homme devient cet être humain de l'un ou l'autre sexe en incluant la femme. Il faut bien peser les mots. Le concept se révèle universel et global à la fois. De ce fait, les assignations catégorielles limitatives construisent le référent ontologique qui fait de l'homme porteur de tout caractère humain, esprit, raison, avec droit de cité et bien sûr droit de parole. Si la condition prend son fondement sur les attributs biologiques, naturels, dissexués, les contingences économiques et sociales viennent déterminer les assignations de rang, de comportement, d'habitus définissant le genre. Judith Butler, dans un texte que les féministes connaissent, qui s'appelle Gender Trouble, je crois qu'elle a été la première édition, date de 1999, dont la réflexion passe par la pensée française, bien sûr, est inspirée de Simone de Beauvoir, Monique Wittig, Lucie Rigaray, Teresa de Laurentiis. Alors, je fais une confusion là. Rigaray, Beauvoir, bien sûr, c'est la tradition française, tandis que de Laurentiis, Monique Wittig, c'est plus la tradition anglo-saxonne, nord-américaine. Et bien sûr, Michel Foucault démontre que les oppositions qu'on a voulu faire en prenant le concept de genre entre nature d'un côté et culture de l'autre, c'est-à-dire en détermination biologique d'un côté et construction sociale de l'autre, sont bien trop simplistes. Selon Butler, la nature n'est pas une donnée brute. Donc, la condition elle-même, la condition de femme elle-même, ne peut être aussi qu'un construit, tout comme le genre. Je m'excuse, là je vais un peu vite. Pour Butler,
Ce sont donc deux faux dualismes. Le cœur de l'ouvrage de Butler, bien sûr, on lui a reproché sa portée psychanalytique. Elle propose une désexuation du genre humain. Pour elle, le féminin n'est pas uniquement rattaché à la femme, ou le masculin serait uniquement rattaché à l'homme. Elle propose ce que Judith Butler justement a apporté aux études féministes, ce qu'on appelle la performativité du genre. Pour comprendre un peu, un homme, il y a des périodes où les hommes portaient des robes, où les hommes portaient des perruques, où les femmes portaient des pantalons bien avant. Bref, ce qu'elle appelle, c'est un peu complexe, mais pour résumer, les assignations dans la sphère privée, les tâches domestiques, etc., ne sont pas nécessairement masculines ou féminines. Elle propose cette désexuation du genre. Bon, elle a eu beaucoup de critiques, et pourquoi pas. Mais cependant, ce qu'il faut comprendre dans la thèse de Butler, il n'y a aucun essentialisme associé ni à la femme, ni à l'homme. Elle transfère la notion de genre à ce qu'on appelle le gender, qui inclut l'homme et la femme. C'est pourquoi vous avez dans les universités anglo-saxonnes, qui est différente des universités francophones, vous avez, aux États-Unis, on a commencé d'abord avec les études féministes, ensuite on a transféré ce qu'on appelle le gender studies, qui inclut, les études féministes, encore feminist studies, étaient sur, si vous voulez, un mode revendicatif, un mode contestataire, et avec ce qu'on appelle le lieu du féminin, qu'on verra par la suite, tandis qu'en transférant féministe à gender studies, en incluant les deux sexes, en désexuant le genre humain, en montrant qu'il n'y a aucune, je ne veux pas me répéter, elle fait comprendre qu'ici, l'assignation binaire ne tient plus. Les assignations binaires ne tiennent plus. Alors, je vais aller un peu vite. Ok, ça va. Alors, Simone de Beauvoir, elle va développer une thèse, qui pour nous est assez intéressante, avec son livre Le Deuxième Sexe. La thèse de Simone de Beauvoir, elle est une position matérialiste, une position égalitaire. Pour elle, il n'y a aucune différence, alors que Judith Butler parle d'une asexuation des rôles. Et alors, ce sera après Beauvoir, bien sûr. Beauvoir, déjà, lorsqu'elle a sorti son livre, en 1949, oui, si ma mémoire est bonne. En 1999, on fêtait les 50 ans du deuxième sexe, c'est ça, 1949. Et la femme, elle est égale de l'homme, elle est une position égalitariste, une position universelle, une position non sexuée. Je ne dirais pas asexuée, mais non sexuée. Il y a toute une différence. Pourtant, après Beauvoir, dans les années 60-70, les féministes vont se détacher, vont prendre distance assez forte par rapport à ces analyses. Et vous avez des femmes, des chercheurs, des écrivaines, des militantes qui vont chercher justement à créer ce lieu du féminin, cet espace du féminin, en ne voulant pas entrer ce qu'elles appellent le piège de Beauvoir, à savoir l'égalité qui ne voit pas l'altérité. C'est-à-dire qu'à vouloir faire des deux, le non-sexe, l'homme et la femme. Je ne dirais pas comme dans la définition du dictionnaire de l'Académie, mais pour ces féministes qui viendront après Beauvoir, dans les années 70, l'un veut dire le même, et pour elles, ça cache l'altérité, ça cache la différence. Et elles vont s'inscrire dans une posture de l'écriture de la différence. Vous allez avoir de grandes collections d'œuvres féminines qui vont vraiment fleurir à cette époque. Et certaines, je ne vais pas entrer dans trop de détails, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus, mais cette distanciation par rapport à Beauvoir, elle est porteuse de beaucoup de sous-champs dans les écritures des femmes. Alors, comme je disais, beaucoup de femmes s'inscrivent dans ce mouvement et trouvent un regain d'énergie et de créativité. Elles ont l'occasion de publier et ils vont avoir un discours, comme je disais, qui va ouvrir le champ à d'autres thèmes, à d'autres champs d'études, si vous voulez. Et elles s'inscrivent même dans une inversion des rôles. En plus de voir l'altérité de leur identité, elle s'inscrit dans une inversion des rôles.
important, si vous voulez, la femme du côté du corps, du côté du désir, ou encore, ils vont, pour une féministe comme Wittig, plus particulièrement, et Iga également, qui ont beaucoup, parce que Iga était une psychanalyste hors pair, elles ont beaucoup étudié le stade pré-œdipien. Vous savez qu'avec, bon, je ne veux pas revenir sur Freud, ce monsieur-là, j'ai bien évolué avec lui, bon, bref. Et c'est pourquoi, justement, et on peut comprendre comment, entre De Beauvoir et Butler, comment ce courant, justement, permet, quand je revois, justement, le trajet qu'a fait les études féministes pour arriver à Butler, de Beauvoir à Butler, je peux déjà dire que cette distance par rapport à Beauvoir et de voir l'altérité, de faire cette différence par rapport à l'égalité, et peut déjà faire comprendre cette performativité que viendra nous apporter les études de Butler. Alors, il y a, si vous voulez, pour terminer avec cette partie, je dirais, lorsqu'on est dans la recherche, on peut partir du concept de genre, comme on peut partir du concept de la condition elle-même. Cependant, on ne peut, que ce soit au niveau de la condition, que ce soit au niveau du genre, n'oubliez pas, et déjà, aussi bien Butler que Simone de Beauvoir nous disent, la condition elle-même n'est pas une donnée en soi. Elle est aussi un construit social que le genre lui-même. Donc, la construction sociale et culturelle de la bipartition, si vous voulez, a, dans le contexte français, une position double. Elle s'appuie à la fois soit sur une pensée égalitariste, républicaine, ou encore elle s'appuie sur ce qu'on appelle les paritaristes. Et il y a eu un gros débat, je me rappelle en France, au cours des élections de 2000, et il y avait ce débat entre les paritaristes menés par, je m'oublie qui, mais il y avait un grand débat, et je crois que Kaczynski était à la tête des paritaristes ou universalistes, je ne sais plus, et les paritaristes. Donc dans les études féministes, quand on est là en recherche, il faut comprendre cette bipartition à partir, si vous voulez, des tenants de ces différentes écoles de pensée. Alors, maintenant, je voulais venir à la dissidence, et si vous voulez, on reviendra là-dessus, la dissidence philosophique. Moi, j'ai tendance à m'emballer quand je parle, la dissidence philosophique. La dissidence philosophique, et moi, elle m'a pris de court quand je suis tombée sur une femme du XVIIe siècle, qui s'appelle Gabrielle Suchon. Gabrielle Suchon, elle a porté une réflexion rigoureuse et elle a un traité qu'elle appelle du célibat volontaire ou la vie sans engagement. C'est un livre qui a été publié à Paris en 1700, nous sommes à la fin du 17e, et elle invite les femmes à la neutralité parce que c'était soit le cloître, soit le mariage. Donc elle ouvre une troisième voie pour les femmes qui est la neutralité. Et je vous donnerai en anecdote, Gabrielle Suchon, c'est une jeune fille qui sort de chez elle, elle va au couvent, elle arrive au couvent à 19 ans. Elle intente un procès au pape pour dire qu'elle ne veut pas être cloîtrée et elle ne veut pas être mariée non plus. Elle gagnera le procès, elle sortira de la vie de couvent, elle n'ira pas chez ses parents, elle ne sera pas mariée, elle mènera une vie de philosophe et elle publiera 3 tomes de philosophie, de morale et de politique. Donc, pour donner la vie de cette dame. Donc, alors, la neutralité, d'après Gabrielle Suchon, c'est le fait pour une femme de naître de manière durable, ni religieuse, ni mariée. N'oubliez pas, nous sommes au 17e. Ni religieuse, ni mariée. Par ce choix qu'elle leur propose, alors Suchon, elle fragilise l'ordre social et politique basé sur la mise sous tutelle des femmes par un enfermement double. En effet, que ce soit dans le cloître ou dans le mariage, quittant la maison paternelle, la femme aboutit indifféremment à une impasse où sa liberté est menacée, ses droits conjugués, conjurés et subordonnés. Suchon développe sa proposition au cours de 3 livres. Je vous les nomme. Le premier décrit les mérites et privilèges du célibat. Le deuxième fait l'éloge des avantages liés à cette vie tranquille et agréable par rapport aux autres vocations. Et le troisième fait l'emploi du temps des vertus des personnes libres. Alors, pour Suchon, la condition pour accéder au célibat, c'est la condition d'être un individu neutre, un sujet neutre. Elle va apporter déjà, avant les Lumières, la notion de sujet. Et
ce sujet doit être un sujet libre. C'est deux conditions pour accéder à ce célibat. Gabriel Souchon ne pose pas tant le problème du célibat librement consenti, d'un point de vue de la morale, que d'un point de vue politique et philosophique, comme l'ensemble de son œuvre en témoigne. Les fondements qu'elle avance pour mener la vie libre, il faut que cette personne soit dégagée des tâches domestiques. Et par les tâches domestiques, ce n'est pas non seulement ce que nous savons, la maison, les enfants, parce qu'il y a des femmes qui ont des supports, qui ont des gens pour les aider à faire ça. Mais à être cloîtré dans une maison, à être marié, vous êtes assujetti aux tâches domestiques. Votre premier rôle, c'est de bien tenir la maison, même si vous avez des gens qui vous aident. Donc, la distinction entre une dissidence intellectuelle pour Souchon et la transgression des règles morales, à cette époque, va faire d'elle ce qu'on appelle une impie, c'est-à-dire qu'une irréligieuse, quelqu'un qui fait de l'irréligion. Donc, elle était en dissidence. Et de plus, elle se pose non seulement contre le mariage et contre le cloître, contre le fait pour les femmes d'entrer en couvent, parce que c'était les deux voies possibles, elle met, si vous voulez, en question tout, non seulement l'ordre social, mais aussi l'ordre politique, parce que n'oubliez pas, les familles royales, parce que le célibat qu'elle propose, c'est la stérilité, c'est le fait de ne pas avoir d'enfants. Donc les familles nobiliaires qui comptent sur leur progéniture pour perpétrer leurs privilèges. Donc, elle est à la fois contre l'ordre naturel et contre l'ordre politique établi. Je vais aller vite. Alors, je voulais rappeler une autre plus près de nous. Et vous avez Elisabeth Abbott, qui a travaillé aussi sur l'histoire du célibat, The Story of Celibacy. Et elle fait entrevoir justement, et je pense qu'elle est dans la même ligne que Souchon, la gamme des privilèges qui étaient associés aux femmes dites vierges, aux femmes célibataires dans l'Antiquité. Elle rappelle justement l'histoire des Vestales, des Amazones, des Sibylles. Toutes ces femmes jouissaient de leurs droits parce que justement, elles étaient des gardiennes, elles étaient sans hommes, elles n'avaient pas d'hommes, elles n'avaient pas d'enfants. Donc, elles pouvaient garder, elles pouvaient accéder à un niveau de mysticisme qui leur permettait d'être dans les oppositions que, à ce moment, l'histoire les plaçait. Si vous voulez, la thèse de Souchon, déjà au XVIIe siècle, qui rencontre celle de Abbott en 1999, ne sont pas, si vous voulez, en déraison. Ils montrent que, justement, c'est comme si on disait « je ne pouvais pas épouser une femme et la philosophie ». Alors, déjà, Souchon se disait « je ne pouvais pas épouser la philosophie et encore épouser un homme ». Elle répétait ça souvent dans les échanges qu'elle avait. Donc, c'est la même chose. Pour être bien imbu de ce que, si vous voulez, entend ce célibat, c'est la disposition d'esprit pour étudier, pour avoir accès au savoir. Très rapidement, je vais avec Souchon, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour elle, la femme cloîtrée est cloîtrée, elle n'a pas accès à ce savoir. Et n'ayant pas accès à ce savoir, elle ne peut pas se libérer. Donc, si vous voulez, elle est vraiment en dissonance par rapport à ces lieux d'enfermement. Où, pour elle, ce binôme cloître-foyer, elle crée, si vous voulez, un interstice pour les femmes. Et cette troisième voie, bien que déjà au XVIIe siècle, elle a fait des vagues, cette troisième voie aussi peut nous aider à comprendre ce que sera, si vous voulez, tout ce mouvement de libération, de libération sexuelle que vont prendre les femmes. C'est-à-dire que dans les deux cas, dans la vie cloîtrée, vous êtes privé de toute, si vous voulez, vie sexuelle, mais dans la vie et mariée aussi, vous êtes contraint par un ordre social. Donc ce n'est pas un hasard que les mouvements féministes aussi vont emprunter cette voie de la libération sexuelle. Pour comprendre ceci. Alors, très rapidement, le sujet neutre, j'en ai parlé de Souchon. La condition libre, il est bon que je précise un peu, parce que dans ce débat pour l'égalité des sexes et l'émancipation intellectuelle,
Et Souchon nous fait comprendre que l'autonomie de la pensée, l'asexuation de la raison, pour répéter et Paulin de la Barre qui disait la raison n'a pas de sexe. Aussi au XVIIe siècle, en établissant, elle établit une filiation, si vous voulez, philologique entre son œuvre et celle de Platon. Et dans en bonne platonicienne, je peux dire, quand on lit Souchon, on voit justement cette rhétorique platonicienne qu'elle reprend à chaque fois, et elle soutient justement tous ses arguments par des philosophes qu'elle connaît. Alors, ceci a permis aux femmes d'accéder. Quand je dis a permis à certaines femmes, parce que là aussi c'est une limite du travail de Souchon, toutes les femmes n'ont pas, si vous voulez, cette faculté ou bien cette capacité ou cette disposition ou encore ce privilège de se libérer des tâches ménagères. Il aura suffi d'être né au bon endroit ou encore d'être né d'une famille qui aura des moyens pour que justement cette condition neutre qui vous donne accès à la liberté, à l'autonomie, et à cette asexuation du savoir, il faudra que certaines contingences socio-économiques aussi s'y mettent. Alors, je vais très vite, je donne les arguments de Souchon. Alors, ce que je voulais surtout rappeler, dans la démarche de Souchon, elle nous dit la femme libérée de toute contrainte domestique, qui a comme seule préoccupation le savoir, elle nous fait voir justement par les limites que ça peut avoir pour d'autres types de femmes, que ce sujet qu'elle nous présente, ce sujet libre, est un sujet vraiment idéal, un sujet transcendantal, un sujet qui n'est pas donné à tout le monde et bien sûr à toutes les femmes d'accéder. Alors, je rappellerai, alors, comme vous voyez, et nous avons parlé d'une pionnière en philosophie qui a pu démontrer avec argument ce qu'elle entend par une vie pour que les femmes soient libres et accèdent à ceux qui, justement, peuvent les libérer de toute contrainte maritale ou sociétale. Et il faut citer aussi sous la Révolution française, il faut bien la nommer, Olympe de Gouges, qui militait aussi pour l'égalité. Nous sommes là en 1793, pour l'égalité des droits civiques et politiques entre les deux sexes, et aussi pour l'abolition de l'esclavage. Vous avez aussi, elle fut guillotinée, tout le monde le sait. Et au Royaume-Uni, vous avez Mary Wollstonecraft, qui a aussi milité dans ce sens, qui est une philosophe. Vous avez aussi Marie Lonecroft associait le mariage à la prostitution. Toute la thèse. Oh, je regrette. Oui, on me dit que c'est la fin. Alors, très rapidement, je ne vais pas donner tous les détails. Alors, la dissidence politique sur laquelle je voulais arriver, je vais vous lire juste une petite phrase, juste pour conclure. Je vais conclure. Ok, là je vais conclure. Vraiment, je vais conclure. En Haïti, alors, vous savez aussi le silence qui se fait sur l'apport des femmes dans tous les domaines, dans l'histoire et partout ailleurs. Alors, pour nous ramener chez nous, en Haïti, les femmes ne figurent pas souvent comme protagonistes dans les récits historiques, sauf quand elles recouvrent des souvenirs mythiques et légendaires. Alors, vous avez Laurence Clairefeuille, qui a travaillé sur cette question, dans Révolte sans témoin. Vous avez aussi, alors, Arlette Gauthier, qui n'est pas une haïtienne, qui a travaillé sur les Sœurs de solitude, qui a vraiment documenté sur la question du marronnage, ce que les femmes ont porté le marronnage. Elles ont, non seulement elles avortaient, elles se faisaient avorter, en avortant, elles allaient contre l'ordre naturel des choses, parce que les femmes sont faites pour ça, et en faisant avorter, elles allaient contre l'ordre colonial pour ne pas fournir la main-d'œuvre. Donc c'était ça, tout un ensemble, si vous voulez, de ce que j'appelle une panoplie de signes que le marronnage a utilisé, et particulièrement les femmes qui avortaient et se faisaient avorter,
si vous voulez, sont capitales dans la diminution ou encore pour contrer l'ordre de la production. Je vais m'arrêter là et comme on dit, c'est la fin. J'espère que j'aurai votre complaisance parce que j'ai dû aller un peu vite et j'essaierai de répondre à certaines questions. Merci beaucoup. Merci, Mme Paul Austin. Je rappelle donc que Mme Paul Austin est intervenue sur le thème d'un ordre à un mode de refus, femmes et marronnes, dans le cadre de cette troisième édition du Festival Féministe Saint-Gaspard, première conférence débat de cette édition. Et comme elle l'a dit, des questions vont sûrement donc arriver tout à l'heure. Le temps de souffler. Je vous invite à écouter et à apprécier un morceau de Renette Désir avec Princesse Eude, Femme Jam, et puis on sera là juste après pour les questions, pour les débats et pour les échanges. À tout à l'heure. Alors, de retour, après donc cette pause musicale, Femme Jam, Renette Désir featuring Princesse Eude, nous sommes de retour pour maintenant la séquence questions-débats de cette édition de Café Philo. On a une liste, donc je vais appeler pour commencer Philippe Junior Volmar qui va poser la première question à notre intervenante, Mme Paul Austin. Merci beaucoup. Ma question concerne plus l'intervenante. La démarche de l'intervenante, l'intérêt de l'intervenante que le sujet lui-même. Pourquoi je le dis? Parce que c'est une femme qui s'intéresse au savoir et qui veut transformer, ou du moins qui s'intéresse à l'aspect intellectuel du féminisme. Est-ce que l'intervenante n'a pas remarqué un décalage ou une différence de vitesse entre les militantes féministes et les intellectuelles féministes? Un décalage qui est dû peut-être au fait que dans notre société, nous croyons plus à l'action et contrairement à la pensée, comme si la pensée ne pouvait pas précéder l'action ou justifier l'action. En Haïti, les intellectuels sont vilipendés. On estime que la situation du pays, c'est dû aux intellectuels. Peut-être que c'est l'explication de cette différence de vitesse entre celles qui militent et celles qui réfléchissent, celles qui remettent en question le concept de féminisme, les actions qui se posent, ces intellectuels-là qui voient dans les militantes des objets d'étude plus que des partenaires. Merci. Mais c'est la Claudel. Vous avez fait un parallèle entre la condition d'esclave et la condition féminine. Je demande si la condition d'esclave n'est pas une condition qui est construite par la force, par la violence, alors que la condition féminine est construite anthropologiquement, culturellement. En plus, la condition d'esclave, et quand on dit condition d'esclave, on est dans une sorte d'ontologisation de celui qui est asservi, alors que la condition féminine est une construction culturelle. Deuxièmement, vous semblez uniformiser le féminisme, occidental et la tradition africaine. Par exemple, Chekanta Diop, dans l'unité, de l'unité culturelle de l'Afrique noire, montre que la vision de la femme en Occident n'est pas celle que l'on retrouve en Afrique. Donc, vous uniformisez donc, le féminisme. Et pour terminer, je me demande s'il ne faudrait pas surtout diversifier la problématique du féminisme, parce que la vision de Judith Butler renvoie à la tradition occidentale. Elle a fait une thèse de doctorat sur la réception hegelienne en France, et toutes ces références sont eurocentriques. Elles n'entrent pas dans une dialectique de la diversité des traditions anthropologiques pour mieux penser la condition féminine. Elles pensent la condition de la femme en Occident, influencée par la tradition, par Simone de Beauvoir. Et merci. Priscille Jacques. Je remercie l'intervenant pour sa présentation. L'article 272-2 de la Constitution dispose que les traités et accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires. Et nous savons que Haïti a signé plusieurs conventions visant à protéger les femmes et à faire respecter leurs droits fondamentaux. Dans votre exposé, vous avez dit que ce sont les codes civils qui maintiennent la condition féminine. Comment, selon vous, nous autres citoyens, hommes ou femmes, nous pouvons contraindre l'État à respecter ses engagements dans ce domaine? Merci. Voilà une première série de trois questions. À présent, la parole est à vous, Mme Paul Austin. La dernière question, justement, fait mention
des conventions ratifiées par Haïti. Et je vais parler du Code civil, qui est, si vous voulez, une traduction de la législation au jour le jour. Et je rappellerai justement que Haïti a ratifié la CEDAW, qui est la Convention contre l'élimination de toutes les discriminations faites aux femmes, en 82. Haïti a aussi ratifié la Convention de Belém do Pará contre les violences pour l'élimination et de l'élimination de la violence. La Convention de Belém do Pará en 1997. Et ces conventions, comme elle vient de dire, sont au-dessus, font partie de notre arsenal juridique et de la, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Il y a des avocats dans la salle, ils me corrigeront. Vous avez les conventions, la concession et les lois. Le Code civil, même quand il aurait existé avant ces conventions signées par Haïti, elles devraient se mettre en adéquation. C'est pourquoi, justement, et les textes qui circulent, les textes, et aussi bien pour les hommes que pour les femmes, doivent se mettre en cohérence, en adéquation avec les conventions ratifiées par Haïti. Donc, il est de bon droit que l'on revisite même le Code civil qu'on a hérité du Code Napoléon de 1803 pour l'adapter aux revendications de la population et notamment des femmes sur l'égalité, l'accès équitable, l'accès égal des unes et des autres aux biens sociaux. Moi, c'est ainsi que je répondais à cette question quand j'ai parlé du Code civil, parce qu'il a existé avant même ces conventions. Et le Code civil tel qu'il était et tel qu'il existe est en passe de devenir obsolète parce qu'il doit s'adapter aux conventions ratifiées par Haïti. Maintenant, à rebours, la deuxième question qui est la condition de femme, la condition esclave, ce n'est pas la même chose. Une est faite sous la contrainte, l'autre est faite. Elle est faite sous la contrainte aussi. Et les contraintes sont insidieuses. Les contraintes sont des contraintes qu'on peut trouver. Je peux vous faire toute la liste des contraintes qui existent pour embrigader les femmes, enfermer les femmes. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais si vous voulez, nous posons les mêmes axiomes pour expliquer un discours qui discrimine. C'est le même corpus. Vous avez la domination, l'homme, la subordination, la femme. La domination, le blanc, le propriétaire, la subordination, l'esclave. Et ce corpus, je disais, il a quatre pieds. C'est la domination, la subordination, la discrimination qui en découle, et bien sûr, les clichés et les stéréotypes qui véhiculent. On aboutit au même schéma discursif. Vous pouvez chercher leurs origines où vous voulez, dans la contrainte ou non, j'en doute, mais vous aboutissez au même corpus pour comprendre ce binôme discrimination qui est généré par cette discrimination systémique qui est gérée par ce binôme domination-subordination. Dans la deuxième question, il y a aussi le fait que j'ai parlé de l'Occident, etc. Et on me fait toujours ce reproche, on ne le fait pas moi-même seulement, et à savoir la civilisation, les femmes africaines. Bon Dieu, les femmes africaines sont tous les jours en train de demander qu'on mette fin à l'excision. Les femmes africaines sont en train de demander qu'on mette fin à la polygamie qui tue les droits des femmes. Alors, vous me direz, c'est une coutume africaine, je veux bien, mais il y a bien des femmes africaines féministes qui s'érigent contre ce genre de choses. Moi, je suis mal placée pour parler de l'Afrique. Je suis mal placée pour parler de l'Afrique, mais je peux vous dire, partout, sous tous les cieux et tous les soleils, la condition de la femme n'est pas, si vous voulez, contingentée à un passeport. Elle est contingentée par des conditions socio-économiques qui les maintiennent en dehors de la sphère publique, en dehors du savoir, et qui ne leur donnent pas tout l'accès, tous les accès possibles pour pouvoir se défendre. Parce que nous avons de grandes inégalités dans les sociétés africaines, comme il y a de grandes inégalités en Haïti, et les pays pauvres, les pays endettés, les pays dits sous-développés, justement, sont chargés de ces poches de discrimination qui s'étendent à tous les niveaux. Parce que chez nous, il y a plus que la discrimination de genre, il y a la discrimination de caste, de classe et de tout. Donc, on a différents types de discrimination. Il faut les voir dans le même corpus. Quel est l'ordre politique, quel est l'ordre sociopolitique qui génère de telles binarités? C'est comme ça que je le vois. Je ne le vois pas en termes occident, je le vois en termes sociopolitique et juridique. Il y a un ordre qui existe. Cet ordre maintient des catégories parquées et il faut assez de lucidité pour voir, même dans les, si vous voulez, dans les,
dans les subtilités que l'on nous fait avoir, qui génère justement ce genre de discrimination. La première question, je ne sais pas si j'ai tout répondu. La deuxième question, conditions féminines, conditions féminines, j'ai répondu. Ah oui, les féministes qui sont dans l'action, je ne sais pas si j'ai bien repris les termes, qui sont plutôt dans la recherche plutôt que dans le militantisme. Et moi, personnellement, je suis née femme. Merci. Je suis née femme et suis devenue militante. Mais je suis devenue militante, pas militante féministe. J'ai connu le féminisme après avoir quitté Haïti. Je suis devenue militante dès l'âge de 14-15 ans. J'étais déjà militante. Je découvre le féminisme, ce qui me revenait de droit, parce qu'en tant que femme, pour moi, je ne le dis pas pour toutes les femmes, je n'ai pas eu le temps de le dire, les femmes aussi sont verses dans le discours de la domination. Pour moi, il était comme de bon droit que j'accueille une telle richesse de pensée, et en tant que chercheur et en tant que femme, c'est les deux. Moi, j'ai pas une vie de militante et une vie de chercheur. J'ai pas une vie privée, une vie publique. Ma vie privée est publique et ma vie publique est privée. Donc, je n'ai pas ce sens d'être tiraillée entre féminisme et recherche. Pour moi, les deux se valent. Les deux se valent. Alors, en Haïti, quel est l'état de la recherche en genre ou bien dans les études féministes en Haïti? C'est une question à se poser parce que c'est dans tous les domaines qu'Haïti est en reste. Tous les domaines, nous sommes en retard. Donc, je comprends qu'en Haïti, moi, j'ai fait l'expérience, j'étais à l'action féminine, j'ai rencontré des femmes, j'ai passé 3 ans dans le projet de réforme agraire avec les femmes du Bas-Artibonite, avec les 7 communes du Bas-Artibonite. Et moi, j'ai rencontré un autre type de féministe. Vous avez des femmes qui se lèvent très tôt, qui vont dans les marchés, qui travaillent la terre, qui récoltent, qui à 99% nous apportent ce que nous mangeons sur nos tables. Sans les femmes, il n'y a pas de commercialisation des produits, des denrées dans ce pays. Moi, je me demande si les femmes s'arrêtaient d'apporter les produits dans les marchés, nous ne pas manger. Donc, nous rencontrons, il y a différentes formes de lutte. Il ne faut pas aller prendre le féminisme avec ceux ou celles, parce qu'il y a des hommes féministes aussi, avec ceux ou celles qui, comme il y avait des abolitionnistes blancs. Il faut pas voir les femmes qui cherchent, les femmes qui essaient de comprendre et de faire comprendre. Parce que ces femmes, justement, qui sont le nœud de la commercialisation, le seul maillon pour que les denrées arrivent dans nos marchés, d'abord sur les camions, la façon dont ils les apportent, et dans les marchés, la façon dont ils les vendent, avec tous les aléas. D'ailleurs, mesdames, ça va pouvoir le montrer nous, comment il a passé dans le marché. Donc, je ne me rends compte que de telles femmes n'avaient pas accès au crédit, n'avaient pas accès à la terre. Donc, il faut qu'on leur dise pourquoi. Pourquoi? Alors, qu'on leur dise pourquoi, pour qu'on leur fasse voir pourquoi. Parce que nous n'avons pas une pote en quelle science. C'est faire au web pour qui ça? Donc, il n'y a pas pour moi de dichotomie en ce qui me concerne, entre vie privée et vie publique. Justement, la sphère du privé et du public, moi, je l'ai toujours déconstruite dans ma vie personnelle. C'est pourquoi je pense que je milite autant que j'écris, autant que je fonctionne et autant que je cherche à comprendre davantage. Alors, rapidement, nous allons passer à la deuxième série de questions. C'est Erika Lagrandeur qui va poser la première question de la deuxième série de questions. Erika Lagrandeur. Merci. Bonsoir. Et je félicite l'initiative même de Neges Mahon et le débat de ce soir. Ma question pour vous, c'est comment pouvez-vous comparer le féminisme actuel et le mahonnage qui a été, d'après Jean Casimir, une réponse à l'exploitation de l'homme par l'homme? Parce que le mahonnage n'était pas seulement une structure de résistance, comme vous l'avez dit, ça a été une dissidence, un retour à nos origines africaines que nos grands-pères ont utilisées. C'est-à-dire, non seulement ils ont résisté, mais ils ont décidé aussi de se rattacher à la branche qu'on essayait de leur détacher. Comment pouvez-vous comparer ce modèle
d'antan aux féministes d'aujourd'hui qui ne s'appliquent pas à s'attaquer au capitalisme qui génère les comportements sexistes de manière à mieux s'asseoir dans la société pour une question de capital et de profit. Merci. Merci, Erika. Weekend Fell. Va poser la deuxième question. OK, voilà, il est là. Weekend. Bonsoir. Merci pour la présentation, Madame la doctoresse. Et s'il y a une question à poser, c'est d'abord la lutte du féminisme n'est-elle pas contre-productive et contre notre propre émergence? C'est ça la question. Et notre propre émergence. Et non, normalement, j'aimerais contextualiser ça. Je pose la question et j'aimerais contextualiser la question. Non, oui. Tenant compte de notre réalité socio-économique, politique, qui est tout à fait différent de la réalité des autres pays, tenant compte de la géopolitique, de la démographie, l'évolution industrielle, l'évolution technologique, qui de nos jours, c'est l'impérialisme, les protagonistes, c'est-à-dire ceux qui font, et les anciens métropoles qui encouragent la contraception, qui encouragent et subventionnent l'avortement et l'homosexualité, alors que maintenant, ils n'ont pas besoin de main-d'œuvre parce qu'il y a la technologie pour faire avancer les choses. Est-ce que nous, en Haïti, nous n'avons pas besoin de ce qu'on appelle une démographie assez forte comme étant un élément de puissance pour faire évoluer notre pays? Est-ce que cette lutte n'est pas contre-productive lorsque c'est l'impérialisme qui subventionne alors qu'au départ, il avait besoin de main-d'œuvre pour faire avancer avant ces évolutions? Voilà. Merci beaucoup. Et Henri Robert Jean pour la troisième question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Pascal, la modératrice. Madame Marie-Carmel Paul-Austin, je vous salue très religieusement en tant que femme de science et femme de lettres. Vous nous prouvez que les deux domaines ne sont pas incompatibles. Et comme la science est dans la nuance, je comprends fort mal que vous vous inscrivez dans la logique d'une dissidence permanente. Est-ce pour nous dire que instinctivement vous reconnaissez que c'est une lutte permanente, un vœu pieux, que l'émancipation et l'autonomisation de la femme n'aboutira pas? Et si je fais mienne l'interrogation qui a été soulevée dans le court-métrage, en quoi est-ce que le féminisme est-il utile? Pour ce qui nous concerne en Haïti, par rapport à la lutte contre la corruption, quand un homme viole, la victime, c'est la femme, à 75%. Mais quand l'homme vole, la bénéficiaire, c'est la femme. Quel est l'apport de la femme haïtienne ou bien des mouvements féministes dans la lutte contre la corruption? Leur silence est si parlant que je me demande si ce n'est pas parce que l'argent de trop calibré se trouve dans leur compte conjoint. Merci. Et pour finir, Jacques Godard, pour la dernière question. Oui. Bonsoir tout le monde. D'accord. Je tiens d'abord à vous remercier, c'était vraiment bien. Alors, ma question, c'est la suivante. Quand on parle de l'homme et de la femme, il est toujours important pour moi de les définir, de se poser la question vraiment, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme, avant de commencer tout débat. Qu'est-ce qui fait d'une femme une femme et qu'est-ce qui fait d'un homme un homme? Et pourquoi ce besoin de différencier l'homme et la femme? Et en disant que je suis un homme ou dire je suis une femme, je suis comme, je dois bénéficier, est-ce que ça ne crée pas, lorsqu'on s'assure sur cette différence, est-ce que ça, en tant qu'homme, bon, comme on m'appelle ici, en tant qu'homme, je ne suis pas
je ne risque pas. À, est-ce que c'est rassurant pour moi? Je vais, est-ce que tu ne veux pas me dire... Est-ce que c'est rassurant pour moi? Parce que je risque de me trouver à la place des femmes à l'avenir ou dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, en disant que je veux une égalité de genre, est-ce que c'est une meilleure façon de rallier les hommes vers vous? En disant que... Je pense qu'au lieu de dire que je suis pour l'émergence de l'émancipation des femmes, dites-moi que... Mais je ne suis... C'est pas parce que les femmes... C'est pas parce que... Je suis pour l'émancipation des femmes, c'est pas parce qu'elles sont femmes, mais c'est parce qu'elles sont des humains d'abord. Il y a 4 questions à répondre. Je vais rapidement. Je vais procéder de la même manière. La dernière question, homme-femme. Bon, il y a un aspect essentialiste dans sa question. Homme-femme, nous sommes tous égaux. Il y a cette position égalitariste, mais elle ne tient pas. C'est comme dans la République. Nous sommes tous égaux devant la loi. Mais vous savez très bien que quelqu'un qui a un bon avocat ne sera pas en prison par rapport à quelqu'un qui ne peut pas s'offrir un avocat. Donc, ce républicanisme aveugle qui vous dit homme-femme, nous sommes tous pareils, c'est faux. Dans les conditions socio-économiques dans lesquelles nous évoluons, nous ne sommes pas tous pareils. Donc, on ne peut pas tenir ce discours en 2018, ce discours d'égalité pour faire avancer les droits de tous les humains. De tous les humains. Parce qu'on pourrait le faire en noir, blanc, homme, femme, immigré, etc. Donc, et pour moi, s'inscrire dans ce... Je ne le comprends pas ainsi. L'autre question qui était la troisième question... La dissidence permanente, toute permanente, est-ce que vous arrivez, est-ce que et vous n'arriverez pas à cette autonomisation? Et puis je vais prendre la question de la corruption après. Je pense que, et je l'ai dit, et je pense qu'il est, communément admis que c'est une lutte permanente. À entendre la question, le féminisme est-il utile? Oui, il est encore utile. Le combat pour l'égalité, pour avoir cet accès. Le combat pour que les femmes accèdent, c'est un combat permanent. C'est pourquoi les femmes doivent être dans la dissidence, parce que ce ne sera pas un cadeau. Ce ne sera pas un cadeau. Réviser les lois, réviser les lacunes qu'il y a dans les lois, réviser les défaillances qu'il y a dans les lois, les contradictions qu'il y a dans les lois. Vous avez quelque chose dans le code civil, vous avez quelque chose dans le code pénal. Donc, il faut revoir tout ceci pour que, justement, au moins au niveau du normatif, les femmes, la question de la femme soit mieux adressée dans le pays. Donc, ce n'est pas, si vous voulez, une vue de l'esprit que de dire que les femmes sont dans la dissidence permanente. Et par rapport à la corruption, lorsqu'un homme vole, il apporte à une femme, je suis bien contente que les hommes aillent se débrouiller pour nourrir leur famille. Mais de là à faire, si vous voulez, cette extrapolation, je dirais, malheureuse, entre un pouvoir éminemment masculin qui vole, qui corrompt, ou qui est corrompu avec les femmes, je trouve ça c'est disproportionné. Parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans les sphères de pouvoir pour faire une adéquation aussi facile et aussi, je dirais, infantile, excusez-moi, de dire que lorsque l'homme vole, il apporte à la femme. Pour moi, c'est banaliser le problème de la corruption qui est inscrit structurellement dans ce pays et ce n'est pas ainsi qu'on va combattre la corruption. D'ailleurs, moi, je vois, il y a tout un challenge qui est maintenant actuel. Je vois autant de femmes que d'hommes dans ce challenge. Donc, et nous avons tous à souffrir de cette corruption, parce que justement, ce sont ceux qui sont au bas de l'échelle, donc les femmes, qui ne bénéficient pas des politiques publiques qui devaient être adressées parce qu'il y a trop de corruption dans le pays. Donc, il n'y a aucune commune mesure à dire que lorsque l'homme vole, il va apporter à la femme. Vraiment, ça c'est... Je ne veux pas être... Non, vraiment. Maintenant, la deuxième question. Un féministe qui serait contre-productif contre notre propre émergence, parce que c'est l'Occident qui nous apporte des contraceptions, c'est l'Occident qui apporte... on a une démographie particulière, on a une géographie particulière, etc., etc. Et moi, je dis que Haïti ne peut pas s'enfermer. Haïti ne s'est jamais enfermé. Je ne vois pas pourquoi maintenant Haïti s'enfermerait dans ce monde global. Donc, de là à dire que c'est l'Occident qui apporte la contraception, je n'ai pas les chiffres. Ça, il faudrait avoir les rapports du ministère de la Santé publique et de la population pour voir quelle incidence des modes de stérilisation, des modes de planning sur une baisse de la population. Autant que je sache, la population haïtienne
Les femmes haïtiennes, le dernier rapport de l'UNICEF de 2002 ou 2004 que j'ai lu, la moyenne pour une femme haïtienne, c'est de 4,1. Ça veut dire qu'une femme haïtienne fait plus que 4 enfants. Donc, nous n'avons pas un problème de fertilité et d'une population croissante. Donc, là n'est pas le problème. Maintenant, quelles sont les ressources disponibles pour que, justement, les plus faibles, parce que ceux qui naissent en grande quantité, malheureusement, sont dans les poches vulnérables. Donc, je ne suis pas en train de faire du matrixianisme, mais il faut bien réfléchir et ne pas dire que le féminisme serait contre l'ordre naturel de procréer, etc. Ce n'est pas ça. Le féminisme, les luttes des femmes sont pour le choix des femmes de décider de leur sexualité, de décider de leur droit d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant, mais ne pas verser dans, si vous voulez, dans un... Donc, ce serait ma position. La dernière question, comparer le marronnage au féminisme, capitalisme mondial, colonialisme, est-ce que on peut faire... pourquoi je compare ou bien est-ce qu'on peut les comparer? Moi, je les compare et je ne vais pas me répéter parce que le marronnage, comme l'a dit celui qui a posé la question, hérite de temps longtemps. Moi, quand j'ai fait ma thèse, il y a en 2014, oui, j'ai bien fait sentir qu'il y avait un trou, il y avait beaucoup de trous dans notre mémoire collective sur la question du marronnage. Comment justement, ce mouvement de résistance, nous l'avons laissé de côté, nous l'avons criminalisé, c'est pourquoi vous voulez criminaliser la lutte des femmes également, comme les colons ont criminalisé le marronnage. C'est la même démarche. Vous criminalisez des gens qui s'insurgent, vous criminalisez des gens qui réclament leurs droits et vous leur faites paraître comme des délinquants, des bandits. Donc, c'est la même démarche. Donc, le marronnage, c'est ça. Donc, moi, je sors de ce marronnage pour montrer que nous sommes en plein marronnage. Et n'oubliez pas, je le dis quelque part, on ne marronne pas seul. Le marron, quand il n'est pas là, il est présent. Et quand il est présent, il n'est pas là. Donc, on ne marronne jamais seul. Nous sommes dans une société qui implique, qui invite, qui appelle à la résistance. Et ne faites pas de ceux qui résistent des délinquants, des criminels. Donc, les femmes qui résistent, les femmes qui luttent, ne sont à la recherche d'une seule chose, d'un bien-être collectif où nous pouvons tous vivre correctement et en paix. Voilà. Merci beaucoup, Madame Paul-Austin. Voilà ce qui met fin non seulement à la série de questions, mais aussi à la conférence de débat de ce soir. C'est donc, je le rappelle, avec beaucoup de plaisir, mais surtout un honneur que Neges Mahon a invité Madame Paul-Austin à présenter cette première conférence débat dans le cadre de la troisième édition du Festival féministe Neges Mahon sous le thème Rêve Boucanin. C'est aussi avec beaucoup de plaisir que je remercie l'association culturelle Café Philo en Haïti qui a été dès le départ un partenaire inconditionnel de cette organisation, mais aussi de cette activité annuelle qu'est le Festival féministe Neges Mahon. Jamais avare de conseils, de support. Merci donc à toute l'équipe. Merci à la Radio-Télévision Caraïbe qui était avec nous. Merci au public qui a fait le déplacement pour participer à cette édition de Café Philo dans le cadre de ce festival. Merci à toutes celles et ceux qui étaient branchés, qui ont suivi cette édition jusqu'à la fin. Le festival se poursuit jusqu'au 29 septembre, donc samedi, pour le spectacle de clôture. On vous invite à aller sur les différentes pages des réseaux sociaux pour voir ce qui est prévu dans le calendrier d'activité et ainsi faire votre choix et participer avec nous. Mais sinon, Mme Paul-Austin, encore une fois, merci et compliments pour votre travail. Des applaudissements encore une fois pour clôturer avec Mme Paul-Austin. Merci beaucoup. Des applaudissements pour vous. Merci d'avoir été là. La plus prochaine édition de Café Philo, c'est pour bientôt. En attendant, bonne soirée et merci encore. Quand on y a parlé, il dit où mériter. Ou pas te doit être levé. Ou pas te doit être l'été. Mais c'est fierté ou gagné. Pas laisser y a blessé. Laissez-vous blesser. Nous soyons celles Père descend en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin, c'est même bitin. Ni sac à faire, plein des autres pour nous pas vivre en
ensemble, mais vous et moi, si on est lot, si on en lost. Mais la toute bite a brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre baiser.